Salut à toutes et à tous, ici Avorpal, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Night in the Woods. Donc si vous n'étiez pas là au précédent épisode, nous avons un petit peu fait la connaissance de Mae, donc, qui est cette héroïne qui revient apparemment d'une longue absence chez ses parents. Et en fait, sa mère, que voici ici, s'inquiète un petit peu, elle se demande pourquoi nous sommes revenus à la maison, tout simplement. Donc, on n'en sait pas plus pour le moment, elle n'a pas voulu lui répondre, Mae, donc on va découvrir ça un peu plus tard. Là, à l'heure actuelle, nous allons pouvoir enfin explorer la ville, et c'est ce qu'on va faire de ce pas. Apparemment, on a un ami à retrouver en ville, donc on va chercher ça. Et là, attention les yeux. Pff, oh là là, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Je suis très très fan, hein, je vous l'ai déjà dit. Je suis vraiment fan de cet univers. Après, je m'interroge encore un petit peu sur le gameplay. Oula, des gamins qui passent, très bien. Je m'interroge encore un petit peu sur le gameplay, sur le long terme. Est-ce que ça va vraiment être aussi amusant d'explorer tout ça? On va voir, pour l'instant, on explore petit à petit. Alors, bonjour, me suis... attends. Twigmeyer, ok. Bonjour Monsieur Twigmeyer. Mae, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Tu rends visite à tes parents, un truc, on va dire que c'est ça. non, je suis rentré pour de bon. Ah oui, d'accord, donc c'est pas temporaire, ça je savais pas. Il n'y a plus d'école? Ok, alors est-ce que l'école a cramé ou c'est juste pour moi? Allez. C'est l'école qui a cramé. Ok, donc il est sûr que c'est nous qui l'avons cramé, l'école. Je pense que Mae a d'avoir une certaine réputation en ville. Un petit peu de fauteuse de troubles. Ces allégations! Mae est connue pour être quelqu'un qui fout un peu le bordel. Donc là, je pars à gauche, j'aurais pu partir à droite, mais j'avais envie de partir de ce côté. Selmers, qu'est-ce que tu fais à la maison? Drop out, laisse tomber. Wow. Ouais, je suppose. Ok. Alors... Il y a beaucoup de choses à regarder. Ça monte sévèrement, hein, par contre. Alors, est-ce qu'on peut rentrer? Oui, tout à fait. Ah non. Je me rappelle quand... Alors, Béa, ouais, c'est ça. Quand la famille de Béa avait une maison. Et pas juste ce petit appartement déprimant. Pardon. La traduction en live, c'est un sacré taf. Hein. J'avoue que je galère pas mal, mais c'est amusant quelque part aussi. Alors, Danny, n'est-ce pas? Ouais. Je crois que tu étais un élève senior quand j'étais freshman. Je sais pas ce que c'est. Ouais, peut-être, ouais. Comment ça va? Je viens de perdre mon travail. Oh non! Ils ont dit que les chantiers de construction recrutaient souvent, mais c'est pas le cas. En fait, Lying Off, je sais pas ce que ça veut dire. Apparemment, c'est un mec nommé Dan, ok. Et qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis ouvert aux suggestions, ok. Donc. Don't give up! Ah, bah elle est sympathique, je pensais qu'elle allait essayer de troller un petit peu, mais non. Je suis sûr que quelqu'un en ville doit bien embaucher. Ah, ça doit faire un an que j'ai pas trouvé de travail. Ok. J'ai un CV de zombie, un truc comme ça, non? C'est mort, mais... ouais, je vais avoir un peu de mal. Ok, bon. on va passer. Hey, c'est les Harley, qu'est-ce que... Harley's, ouais. Comment allez-vous? Little Joe, tu es en état d'érastation. Ses enfants parlent encore de Little Joe, donc qui est Little Joe? Ça, je ne sais pas. Ils ont utilisé ton ADN.
Les fantômes n'ont pas d'ADN. Hey Miss, tu peux nous laisser tout seul? Ouais, laisse-nous tout seul, Miss. Miss? Ouais, ça lui a pas plu à part moi. Ouais. Donc là, on fait un petit peu connaissance. Apparemment, il y a des histoires de fantômes là en ville. C'était d'ailleurs le cas de. On a appris que le grand-père de Mae lui a légué pas mal de livres, dont des livres de fantômes. Et apparemment, elle était assez passionnée par ces histoires-là. Bon, de toute façon, on le sait, hein, quand on a vu le trailer, on sait qu'il va y avoir des histoires de. Un petit peu entre guillemets flippantes. Hey, je suis de retour en ville. Et la seule chose qui me manquait, c'était. Hey, je me souviens de toi. Salut. Voleuse. D'accord. Oh, vas-y, c'est bon. C'était il y a des années. Voleur une fois, voleur toujours, bien entendu. Très bien, tu sais quoi? Ce n'est même pas un restaurant. cet établissement est en fonction depuis 50 ans. 50 années pourries dans un trou paumé. Tu sais ce qu'il y a de plus pourri des gens morts des années 60. Ok. Aucun respect. Tu peux te les garder, tes pretzels. C'est des bretzels ou... Va sauter dans la rivière. Ouh, c'est l'amour fou. Hein. Ah, on peut encore voler, tiens. Alors attention, délicieuse pretzel. Allez, vole, allez, tu peux le faire. Ah, je suis sûr qu'elle pourrait, mais... Je regarde juste vite fait. Non, ok. Bon, bah apparemment, on peut pas. Est-ce que je peux au moins sauter sur les tables? Eh ben même pas. Pff, oh là là. Et ça se dit rebelle. Après, il est sympa le fond là. On est dans le métro à moitié là. J'ai l'impression. Hey, salut les jeunes. Salut. Qu'est-ce que vous faites les gars? Rien. Cool. C'est cool qu'il y ait encore des gens à traîner par ici. J'avais l'habitude de faire ça quand j'étais à l'école. Ah ouais? J'étais pas à l'école depuis il y a si longtemps, hein, vous savez. T'as quel âge? 20 ans. Oh, alors tu peux acheter de la bière? Non, tu ne peux pas acheter de la bière. Eh non. Est-ce que t'as une bagnole? Non. Ok, bon. Ils ont essayé de me trouver une utilité, j'ai l'impression, mais... Mais ils n'ont pas trouvé ni alcool, ni voiture. Ok, donc là, c'est fermé. On va remonter par ici. Et ça va nous mener sûrement à un autre endroit de la ville. J'avoue que là, la ville a l'air quand même assez grande. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire. Surtout, autant de gens à qui parler. Ça fait presque 5. 5 quitting time. Ouais, je sais pas trop. Oula, alors eux, je comprends rien à ce qu'ils disent. Bon, bah, salut. Quand on comprend pas, on n'écoute pas, tout simplement. Ah, le petit snack. Est-ce qu'on... Enfin, snack, ouais, non. Est-ce qu'on va trouver de quoi se substanter? Oh, mon Dieu. Salut, Greg. Ah, bah, voilà, c'est lui qu'on devait aller voir, le fameux Greg, donc qui est un pote à Mae, apparemment. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis de retour. Lagback is in today. Retour définitif. Ah, c'est dommage que tu ne sois pas morte au collège. Ok, alors. Too bad you didn't catch a flesh-eating disease. Donc, a flesh-eating disease. Donc, une maladie dégueulasse, on va dire. Ok, donc ils sont en train de s'insulter. Oh, c'est tellement bon de te revoir.
Attends, je reviens. Qu'est-ce que tu fais? Je change la musique. Ah, attention. Angus, qu'est-ce que tu fais là? Je vis ici. Mais depuis quand? Depuis hier soir, 11h ou quelque chose comme ça? C'est incroyable! Comme ton band planting. Ah, fait de la musique? D'accord, ok. Oh mon dieu, le groupe est toujours. Existe toujours? Ouais, carrément. Et quand est-ce qu'on s'entraîne? Maintenant! Ah oui! Quand est-ce que tu dois terminer le travail? Maintenant! Vraiment? Apparemment, ouais. Il est trop excité, le mec, c'est énorme. Ah, il y a des sacrés personnages hauts en couleur, hein, j'ai l'impression, dans cet univers. Ah, est-ce qu'on va faire de la musique? Putain, on a un nouveau dessin. Salut, Angus. Salut, c'est toi. C'est Maé! C'est Maé. J'essaie de faire un doublage, mais c'est pas fou, quoi. Ça serait plus simple si j'avais le vrai texte en français, comme ça, au moins, je pourrais essayer de donner... Là, j'essaie de... Là, il faut que j'imagine le texte, et en plus, que je fasse la voix derrière, donc c'est... Donc, la fête doit sûrement commencer, j'imagine. Ok. On a besoin de beaucoup de fêtes pour garner à Burn, je sais pas ce que c'est. Ah, il va me ramener ma basse. Mec, je suis pas sûr de pouvoir me souvenir. Hey, Bae! Bae is back. Ah oui, Bae, on a entendu parler tout à l'heure. Oh, salut! Ouais, salut! Ça a l'air d'être la gothique. Elle est complètement revenue! Quoi? Est-ce que t'es ici pour qu'on répète avec le groupe? Je joue de la batterie, ouais. C'est pas de la batterie, c'est un ordinateur. C'est bon, t'inquiète. Elle fait aussi la partie basse. Ok. Je crois qu'elle se fout de sa gueule un petit peu, genre... ouais, tu fais de la musique sur un ordi, quoi. C'est un petit peu le mépris de Maé, apparemment. On va complètement jouer une chanson. Tu vas complètement jouer de la basse. Ouh, je me souviens même plus. Oula. Ah oui, d'accord, mini-jeu direct. Oui, cool. Ah ouais, c'est carrément du guitar hero, quoi. Enfin, du bass hero, du coup. Oh, c'est trop bien. Ouh, c'est chaud. Eh, ça devient chaud. Ah, c'est dur. Alors par contre, ça a l'air de l'électrocuter à chaque fois qu'il arrête, là. Ouh, oh, c'est chaud. En plus, je suis tellement nul à guitare à eau. La musique est cool, par contre. Ok, je suis concentré, là, je vous avoue. Je suis en méga focus, là. Tac. Wow, oh la vache, mais c'est... En fait, je m'attendais à un truc assez simple, mais bon. Pas tant que ça.
Ouais. Ah non, j'ai raté. Pardon. Pff, mais what? Ils sont malades. Et c'est pas fini, allez! On continue! Ah non, c'est fini. Oh no, à la fin, j'ai raté un truc. Ah, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était plutôt... normal. Plutôt pas mal, sachant que je ne connais même pas la chanson. C'était dur! C'était dur à jouer. On va continuer à s'entraîner. Ah, j'espère. My wrist, j'aime pas ce que c'est. Mais c'était pas mal, franchement. Franchement, c'était cool. J'espère qu'on pourra en refaire. Wouhou, yeah, yip, yip. Ok, bien, écoutez. Ah, ok, c'est l'heure de manger maintenant. Une bonne petite pizza. Est-ce que la pizza t'a manqué, Maë? Ils ont des pizzas à l'école, hein, tu sais. Oh, cool. Ah, vite. Ah ouais, d'accord. Ah non, il y en a qui mangent pas la croûte. Cette pizza n'est pas terrible. Ouais, elle est plutôt horrible, ouais. Les gars, vous avez entendu parler de la taille de la pizza? De what? De what? Il y a une taille de pizza. Dans scale, ça doit pas être taille, du coup. Mais c'est toujours bon. Scale, c'est quoi? C'est pas... c'est une échelle, un truc comme ça, mais... Enfin, pas échelle, mais c'est... Ouais, là, je vous avoue, je sais pas. Si vous le savez, marquez-le dans les commentaires. Et laissez un pouce bleu, et partagez, et tout ça. Non, je rigole. Le faites pas. Enfin, si, faites-le, mais... Mais le faites pas parce que je vous le demande. Pizza good. La pizza est bonne. Ah, il y en a un qui sait... Il y en a un qui s'est complètement fourvoyé, là. Mais il est perdu. Mais il est aveugle ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne touche pas ses croûtes. Pareil. Ok. La bouffe est horrible, mais bon, ça a son charme. Les gars, s'il vous plaît. Raisin is a... Ok, j'ai pas tout compris, c'est pas grave. Quand est-ce qu'on va, rejouer, un truc comme ça? We don't play out. Ah, ok. Nous avons du travail, Maë. Je travaille au truc de vidéo, Outpost, ça doit être location de vidéo, j'imagine, un truc comme ça. Je suis à la Hall Pick Ace X, donc ça doit être une sorte de chantier. C'est pas le... Ah non, c'est pas un chantier du tout, je dis de la merde, ok. C'est pas la boutique de ton père? Si, c'est ça. Et je suis le seigneur du Falcon Snake, enfin, du faucon snack. Et oui, Kazé. Ah oui, il parlait toujours de faire ça, ouais. Et un jour, en fait, il est juste parti. Ok. Il a dit... Ah oui, non, il n'est pas mort, il a disparu. D'accord, très bien. Il a fait En gros, il a fait table rase. Il n'a pas envoyé d'email ni rien du tout. Bah, c'est bien pour lui, j'imagine. Ses parents ont mis des affiches « Personne disparue » un peu partout. Mais tout le monde savait ce qui était arrivé. Mon Dieu, quasi. Et qu'est-ce que tu fais exactement, Maë? J'étais au collège. Et pourquoi tu n'y es plus du tout?
Screw school. J'emmerde l'école. Incroyable. Ok, bon, on devrait rentrer à la maison, les potes. Apparemment, Angus a un rencard avec des gens de Sword People, donc ça doit être un jeu en ligne. Et ce n'est pas Sword Art. D'ailleurs, un anime que j'ai fini de regarder il n'y a pas longtemps, que je vous conseille si vous aimez les films, enfin les mangas, c'est assez sympa. Chanceux. Ok. Ouais, c'est assez sympa Sword Art Online. Après, c'est. Bon, il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal, ouais. Ah, c'est bon d'être de retour. Mec, tu peux venir traîner ici tous les jours. Hein. Oh mon Dieu. Putain de merde. Quoi? Est-ce que c'est un bras? Ouais, c'est un bras. Ah oui, putain! J'avais pas vu que personne ne bouge. On va le toucher avec un bâton. Ah non! Je l'ai dit la première. On va quand même pas faire ça. Mais non! En gros, c'est une preuve, apparemment, un truc. Bah, forcément, y a un bras coupé là. Ah, mais c'est vraiment. Poc, poc. Ah, mais non! Mais c'est n'importe quoi! Poc, 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 poc. Ah, il y a des trucs qui partent de. Qui sortent de sous le bras, là. Ah, ah, ah. Il y a un truc là. Attendez, bougez pas. Je crois. Faut remonter. Faut descendre la. Faut descendre la manche là, apparemment. Je pense qu'il y a un truc sous la manche. Ah! Hé, hey, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de tatouage. Quoi? Est-ce que c'est un tatouage? Ouais, c'est un tatouage, ouais. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, on a ruiné le. On a ruiné une preuve. Et voilà les flics qui arrivent. Oh-oh! Ok, bon. Eh bien, c'est quand même assez. L'univers, il est tout mignon, tout gentil, puis on retrouve un bras coupé. Super. Hey, salut, tonton Molly, on a trouvé un bras. Très bien, mais pose ton bâton et éloigne-toi de ce bras. Ok, va pas me taser ou je sais pas quoi d'autre. Ah, je te promets rien. Apparemment, son tonton, il a pas l'air de trop la porter dans son cœur. Hein. Ok, je crois qu'il est temps pour Angus et moi de rentrer à la maison. On se voit demain, mais. Ok, je ne veux pas que vous rentriez chez vous seul ce soir. Apparemment, il y a quelque chose de grave qui a. What? Un chat? Alors attendez, c'est quoi ça? Il y a des chats humains, entre guillemets, et des chats-chats, quoi? Ou... Trop bizarre. Je peux reconduire Maë à la maison, officier. Merci, bye. Ok, allez, salut. Oh, le plan, il est génial. J'adore. Alors, tu travailles au Hall Peak X? Ouais. Est-ce qu'ils sont en train de te former pour prendre la suite du business familial? Il? Tes parents? Oh. Hé, hey, regarde où est-ce qu'on est arrivé. Oula, elle a l'air de mal l'avoir pris apparemment. Ma maison n'est. Actually, for a few blocks. Et pas encore avant quelques pâtés de maison. Sors de là. Ok. Merci pour la balade, voilà. Ok, bon, bah il s'est passé pas mal de choses dans cet épisode.
On va arrêter là pour le moment. Je pense qu'on en a vu pas mal déjà. On a fait de la basse, on a mangé de la pizza, on a trouvé un bras qu'on a titillé avec un bâton. Bref, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis comme d'habitude. Et le partager sur Twitter, sur Facebook, tout ça, vous savez que ça me soutient énormément et ça me permet voilà, peut-être de faire découvrir aussi mes vidéos à d'autres personnes qui seraient intéressées. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Night in the Woods. La bise, ciao !